Bonjour à toutes et à tous sur cette première semaine du WikiMook. Nous allons parler ici des principes fondamentaux qui structurent et permettent de faire fonctionner Wikipédia. Wikipédia est un gigantesque site web en construction permanente où, même sans inscription, chacun peut contribuer depuis le monde entier en compilant des informations dans des articles encyclopédiques. Il est donc impératif d'avoir à la fois des règles éditoriales pour définir ce qui a sa place ou non sur le site et des règles de vie collective pour que les interactions entre les contributeurs restent agréables et productives. Il existe de très nombreuses règles sur Wikipédia et vous les découvrirez progressivement. En vérité, il y a tellement de règles que personne ne les connaît toutes, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que vous connaissiez bien les règles fondamentales. De ces règles fondamentales découlent toutes les autres. Ces règles fondamentales, nous les appelons les principes fondateurs, ou PF en abrégé. Vous verrez qu'on adore les abréviations sur Wikipédia. Les principes fondateurs sont au nombre de 5, et je vais vous les détailler. Mais j'insiste, tout le monde s'y référera de manière quasi systématique. C'est pour cela qu'il est indispensable de connaître ces 5 principes fondateurs et surtout de les comprendre, évidemment. Alors, tout d'abord, Wikipédia est une encyclopédie. Pour être tout à fait exact, il s'agit d'un projet d'encyclopédie qui a pour but de compiler ce qui apparaît comme étant notable dans notre monde. Il ne s'agit pas de mettre tout et n'importe quoi. Wikipédia n'est pas le lieu où on vient pour faire sa publicité, écrire ses mémoires, publier ses recherches, promouvoir son dernier produit, cas très fréquent, donner son avis ou parler de l'actualité. Non. Contribuer à Wikipédia, c'est rédiger des articles encyclopédiques contenant des informations vérifiables, en évitant tout travail inédit. Impossible, par exemple, de mener soi-même une expérience de chimie et de donner les résultats sur Wikipédia. Deuxième PE, principe fondateur, ça va venir. La neutralité de point de vue. Les articles de Wikipédia doivent être neutres. Cela veut dire que nous ne devons pas promouvoir un point de vue particulier lorsque nous écrivons des articles. Sur un sujet controversé, le lecteur doit être incapable de deviner l'opinion des auteurs de l'article. Sur ces sujets controversé, il est d'ailleurs nécessaire de rapporter les différents points de vue. Les points de vue notables, évidemment. Dans ces cas-là, il faut représenter chacun de ces points de vue aussi fidèlement que possible en tenant compte de leur importance respective dans le champ des savoirs. Il faut également fournir le contexte nécessaire à la compréhension de ces points de vue. Prenons un exemple concret. Les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Certaines personnes, minoritaires, pensent qu'on nous a caché des choses sur ces attentats. Ces thèses ont été relayées, notamment dans la presse. Il faut donc en parler sur la page Wikipédia, mais sans leur apporter et leur accorder une importance disproportionnée, car il s'agit d'une opinion minoritaire. Je le répète, vous devez éviter de présenter un point de vue comme étant le seul ou le meilleur point de vue. D'où l'importance de citer systématiquement ses sources et, si possible, utiliser des sources faisant autorité sur le sujet, surtout pour les sujets controversés. Nous reviendrons ultérieurement sur la notion de source faisant autorité, de source de qualité. Passons au troisième PF, la libre diffusion du contenu. Wikipédia est ouverte à toutes et à tous et est publiée sous licence libre. Cela veut dire que chacun a le droit de créer, copier, modifier et distribuer le contenu de Wikipédia. Il n'y a que deux conditions à respecter pour publier ailleurs le contenu des articles de Wikipédia. Citer l'origine des contenus et conserver la même licence. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que tous les contenus des articles sont sous licence libre. Donc pas question de mettre sur Wikipédia des contenus sous droit d'auteur tirés d'autres sites web ou de livres, etc., etc. Quatrième principe fondateur, le savoir-vivre communautaire. Wikipédia est un projet d'encyclopédie, mais d'encyclopédie collaborative. C'est donc aussi un lieu d'échange, de discussion. Presque un réseau social, presque. Il faut donc suivre des règles de savoir-vivre.
Vous êtes tenu de respecter les autres contributrices et contributeurs, surtout lors d'un désaccord éditorial. Restez toujours poli, courtois et respectueux. Efforcez-vous systématiquement d'être ouvert, accueillant et amical. Si vous agissez en toute bonne foi et que vous supposez la bonne foi des autres, les problèmes seront très rares. En cas de désaccord ou de conflit, il faut toujours privilégier la discussion. Sur Wikipédia, toutes les décisions, qu'elles soient éditoriales ou communautaires, s'obtiennent par consensus. Cinquième et dernier PF, la souplesse des règles. En dehors des cinq principes fondateurs, aucune règle n'est absolue. Les règles et les normes sont évolutives et vous pouvez les faire évoluer par la discussion avec les autres Wikipédiens. Les règles et les usages doivent aussi être appliqués avec discernement et souplesse. De même, les articles ne sont pas figés dans le marbre. C'est d'ailleurs sans doute un des aspects les plus intéressants de Wikipédia. Récapitulons. 1. Les informations que nous ajoutons doivent être vérifiables et avoir un intérêt encyclopédique. 2. Nous devons être neutres dans nos contributions. Très important. 3. Les contenus sont librement réutilisables à condition d'en citer les auteurs et la licence. 4. Il faut respecter les autres contributeurs et contributrices. Et 5. Les règles sont souples, elles évoluent et sont à appliquer avec discernement. Nous reviendrons dans les prochains cours et vidéos sur ces différents concepts, mais vous avez dès maintenant les principales clés pour vous diriger dans Wikipédia. Vous n'avez presque pas besoin de regarder la suite du MOOC. Non, je plaisante évidemment. Continuez à suivre le Wikimook et à bientôt sur les forums.